Salut à toutes et à tous, c'est Psycho. Alors on se retrouve pour l'épisode 2 du Walkthrough de Pikmin. J'ai dû augmenter légèrement les FPS du jeu, ça s'entend, la musique va un petit peu plus vite. Donc ce qui se passe c'est que le jeu va un peu plus vite. Comme ça les FPS sont plus importants. Et c'est pas plus mal. D'ailleurs on voit bien que ça va quand même beaucoup plus vite. Donc ce qui se passe malheureusement c'est que forcément comme j'ai dû augmenter un petit peu les FPS, ben le... comment dire... le temps est un petit peu plus court. Mais ça on s'en fout parce qu'on est des pros et ça va quand même aller sans problème. Hop. Allez hop, on pète ça. Voilà. Je sais pas s'il y a des trucs par là. Il doit juste y avoir des fleurs logiquement. Ouais, il y a juste des fleurs, on s'en fout. Donc ici l'intérêt c'est d'aller rechercher un maximum de Pikmin pour pouvoir faire descendre le carton qui nous gêne pour passer. Hop. Hop. Il nous en faut 35 et comme par hasard on en a 36. C'est pas beau ça. Voilà, allez go. Voilà. Hop là. D'accord. Allez, attaquez-le. Et allez, frappez ainsi. Voilà. Allez hop. Voilà. Allez viens par là toi. Et toi aussi. Voilà. Allez on se dépêche. Allez une, deux, une, deux. Et quoi? Oh, punaise. Allez. Voilà. Et puis. Voilà. Alors, on voit bien que le jeu va quand même plus vite parce que là, je suis déjà presque à un quart de la journée. Donc, à mon avis, comme les épisodes seront un petit peu plus courts, à mon avis, il y en aura plus. Donc, c'est pas plus mal pour vous. Hein. Voilà. Maintenant, reste à savoir combien de jours... À combien de jours j'ai droit? Ça, je sais pas. Donc, tout plein de Pikmin. Et ils sont vachement plus généreux. Hein. Franchement, quand on voit tout ce qu'il y a là, c'est quand même pas mal. On prend tout, hein, comme ça. Tout ce qui est fleurs, etc. On verra ça après, on s'en fout. Pour l'instant, uniquement des feuilles, ça suffira. Voilà. C'est parti. Bon, s'ils suivent, évidemment, ça c'est autre chose. Ouais, ils suivent. Donc, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, j'ai fait un petit peu... enfin, j'ai essayé un petit peu. Donc, je sais comment ça se passe. Je sais à peu près ce qu'il faut faire pour le début. Je me suis arrêté au deuxième jour. Enfin, j'ai terminé le deuxième jour et je me suis arrêté là. Donc je ne sais pas non plus tout ce que je dois faire. Parce que, par contre, je me demande si c'est utile, si je tape dedans ou pas. On sait jamais, alors on va le faire. Et par contre, il me semble aussi que le temps de destruction des murs a été rétréci. Et c'est pas plus mal parce que ça va quand même plus vite. Ça évite d'attendre comme des glands pendant 10 minutes. Et c'est pas plus mal. Voilà.
Voilà. Bon, la musique qui s'arrête comme d'habitude. Hein. Ouais, donc c'est impressionnant, hein, les Pikmin qui... De nouveau, pareil comme dans le premier, hein, lorsque les Pikmin se mettent ensemble, ben, ils ont forcément une force plus importante, etc., etc. Alors là, c'est un... Donc, il semblerait que de la chaleur provienne d'en haut, machin, d'en bas plutôt. Donc en gros, c'est une grotte. Et je vais rentrer dedans. C'est parti. Ouais, enfin, voilà. Ici. Donc, yes. Et voilà. Let's go. Alors bizarrement, Louis est à côté de moi, alors qu'il n'était pas à côté de moi à la base. Et il y a comme un... Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un reflet de... Du... Comment dire? De l'oignon rouge, en fait, dans les ondes de chaleur. C'est un peu bizarre, je comprends pas trop, mais bon. Voilà. Donc... Ouais, ça on s'en fout. Voilà. Donc en gros c'est la même chose qu'en bas, sauf que c'est la même chose qu'en haut, pardon, sauf que il y a des possibilités de trouver des formes de vie différentes, forcément. Et arrête de me suivre, toi, bordel. Par là, voilà, voilà. Non! Hey! M'attaque pas! Hey! C'est dégueulasse! Ah, c'est dégueulasse, il faut... Je sais pas si vous voyez, mais il y a la bestiole qui m'attaque alors que c'était la cinématique. Mais dégage, mais putain! Allez, faut quand? Allez, Zou, je m'en fous! Zou! Oui, allez! Allez! Ouais, ça va, j'en ai perdu qu'un. Oui, alors là il est pas d'accord parce que... how can you possibly... Donc, comment peux-tu considérer cette bestiole comme un trésor? Cette bête comme un trésor? Donc, les bêtes ne sont pas compatibles avec mon circuit, gna 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 gna. Donc, en gros, ben, je pensais au départ qu'on allait pouvoir les ramener à la surface. Mais en fait, non. En fait, je peux pas les ramener à la surface, mais il considère ça comme le trésor quand même. Et voilà, plus 2. Donc en fait, il est converti en argent. Voilà. Donc bah, c'est pas plus mal. Voilà. Hop là, une capsule. Et voilà. Là, je continue à descendre. Ah, je sais pas si vous voyez, il y a des reflets de... Enfin, bref. Alors, l'autre qui continue toujours à me suivre. Et tous les petits Pikmin rouges. Ouais, il sauvegarde. Bon. Voilà. Ça fait rire parce que je suis à peine au deuxième... sous-sol et il considère déjà ça comme le niveau final, quoi. Enfin, il considère pas, c'est le cas, mais c'est bizarre, quoi. Voilà. Ouais, une map monde. Ouh là là. Donc en gros, la map monde, elle est trop grosse et je ne peux pas la transporter maintenant parce que j'ai besoin. Normalement, donc, dans Pikmin, on peut transporter, enfin, on peut avoir avec soi uniquement 100 Pikmin. Et ici, il en faut 101. Donc voilà, rien que pour nous emmerder. Et tout ça, donc, pour nous obliger à avancer. En tout cas, à faire une étape particulière du jeu, vous allez voir. Voilà.
Et voilà. Et donc on se retrouve ici avec des fleurs mauves. Les fleurs, si vous n'avez pas suivi mon walkthrough sur Pikmin 1, d'ailleurs c'est pas bien, allez vite le voir tout de suite. En fait, les fleurs permettent de jeter des Pikmin à l'intérieur et de les changer de couleur. Et en l'occurrence, ici elles sont mauves. Donc on va se retrouver avec des Pikmin mauves. Voilà. Et en fait, les Pikmin mauves, donc il va donner la description tout de suite, comme vous pouvez le voir, ils sont plus massifs et ils sont plus forts. Donc en gros, les Pikmin mauves permettent d'avoir la force de 10 Pikmin, ce qui me permettra donc sans problème de déplacer la map monde de tout à l'heure. Et le truc là au-dessus là me permettra de revenir à la surface. Par contre, ils sont très très lents, forcément. Comme ils sont plus massifs, ils sont plus lents. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'ils sont déjà très très lents à la base, alors c'est encore plus pénible. Saleté. Donc voilà. Alors, on peut voir, hop, 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 voilà. Et on arrive à 106. Voilà, 106. Et voilà, 148, ça va aller un petit peu plus vite. Et dommage qu'on peut pas envoyer l'autre là, pour le porter aussi, ça serait pas mal. Et voilà, et c'est déjà la fin de la deuxième journée. Bah oui, parce que automatiquement, je crois que c'est maintenant, automatiquement l'ordinateur, le vaisseau nous dit qu'on est assez fatigué, machin, que ceci, que cela. Donc automatiquement la journée se termine. C'est un peu bizarre, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, la map monde qui vaut 200, c'est quand même dingue. Une capsule, on peut sauver la capsule avec 3 Pikmin, 3 ou 4 Pikmin, ça vaut 100. Une énorme map monde où il en faut 100 pour la soulever, 101 même, ça ne vaut que 200, c'est logique. C'est logique. Donc, voilà. Hop, on passe ça. Et donc, il faut se taper tout le chemin dans l'autre sens. Je sais pas si vous avez entendu, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Et donc, on se tape le chemin dans l'autre sens. Bah, quoique j'ai pas besoin de les attendre en fait. Vu que de toute façon ils me suivent. Et ils vont arriver. Voilà. Et donc ça va me permettre de revenir à la surface. Et comme par hasard, il y a un trou juste au-dessus. Voilà. Hop. Yes. Et donc, c'est les bruits de Nintendo. Faut pas chercher. Et donc, voilà. Cave complete. Save. Ouais. Ce serait bête de pas sauvegarder quand même. Et voilà. Par contre, il y a un problème avec Fraps. C'est bizarre l'image que j'ai là. Mais voilà. De toute façon, c'est la fin de la journée. Donc je vous laisse ici. Et je vous dis à l'épisode prochain. Salut, salut.